Hey, salut tout le monde, c'est Quamoingus, bienvenue aujourd'hui pour la troisième étape Tour de France. Pro Cycling Manager 2015, bien sûr, envers le mur de Huy, la troisième étape. Je joue la FDJ, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne le verraient pas, pas pour mon équipe. Thibaut Pinot le leader, on démarre, voilà. Pinot pour son 49ème, mais bon, il n'y a pas de souci. Quoi vous dire? Oui, alors l'étape d'hier, oh putain, oh là là là. On ne s'attendait pas, hein, même si on savait qu'il y aurait du vent et tout ça, mais franchement, quel carnage, quel massacre qu'il y a eu. Les écarts. Oh là là, Contador, Froome qui font la grosse opération, même si, voilà, ça aurait pu être mieux. Je sais que c'est Contador qui critiquait un peu les Sky et la BMC, je crois, qui n'ont pas roulé du tout. Il aurait dit que, bah, voilà, ça aurait pu être encore plus avantageux pour eux, l'écart, mais voilà. Une minute et quelques, hein, je crois, de Pinot, Rodriguez. Quintana, Valverde, ils ont perdu tous une minute et quelques. Ils ont très peu parlé de Joaquim Rodriguez d'ailleurs. Pour eux, c'est pas du tout un des favoris. Bon, certes, c'est vrai qu'il a certainement pas le niveau des autres, mais bon, il n'a pas l'intérêt, hein, Joaquim. Bref, donc aujourd'hui, c'est le mur de Huy. A noter que je ne verrai pas les étapes de la semaine. Voilà. Car je finis à 5h, et du coup, le temps de rentrer chez moi, il est 5h10. Et du coup, bah voilà, à part le mercredi après-midi, où peut-être je pourrai le voir. Mais sinon, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est mort, je ne pourrais pas voir les étapes. Donc voilà, je ne pourrais pas commenter ce qui s'est passé, je pourrais vous dire qui... Enfin, je pourrais parler de qui a gagné, peut-être, ok, je pourrais peut-être voir des résumés à droite à gauche, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne verrai pas les étapes en direct, et ça me fait quand même bien chier, mais bon. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, comme je disais à mon ami Bellacor. Voilà, quoi, il faut savoir ce qu'on veut, hein, bah oui, hein, voilà. Enfin bref. Sur ce, c'est parti pour cette troisième étape. Je vous dis donc à tout de suite, on se retrouve... Allez, à 50 bandes de l'arrivée, 50 bandes de l'arrivée, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. 52 km de l'arrivée. Le troisième catégorie qui est en approche. C'est sur de tels pourcentages que les... La FDJ roule, oui, car on se dit, pourquoi pas, que on démarre n'importe quoi. Et Thibaut Pinot serait en forme. On nous annonce que Thibaut Pinot serait en forme. Bon, là, il est mal placé, certes, mais bon, voilà, mais voilà, ils sont plus de non définitif, bien sûr. Mais voilà, on m'annonce qu'il est en forme, donc je me suis dit, eh ben, on roule, eh ben, voilà. La FDJ qui roule, du coup, voilà. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment être en forme, ça? C'est la bonne question. On va reculer un peu avec Thibaut, s'il veut bien m'obéir. Merci Thibaut. Jérémy Roy qui le protège en tout cas. Arnaud démarre, recule aussi, toi t'as rien à foutre là. Arnaud. Voilà, recule, merci, t'as rien à faire devant comme ça. Non mais, comment dire. Arnaud. Je te demandais de reculer. Alors s'il te plaît, tu recules. Faut quand même pas que je recule trop, moi, avec Thibaut tout de même. Voilà, Arnaud, c'est bon, recule enfin, c'est bon, il obéit. Ça me fait plaisir. La Tinkoff qui roule. Oui, bah, Peter Sagan, forcément, hein, c'est du vallon, c'est une belle côte, hein, le mur de Huy. Donc, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Voilà, moi, je reste un tout petit peu en arrière, là, vous le voyez. Voilà, pour pas trop être devant, ça ne sert pas à grand chose d'être tout devant non plus. Faut savoir des fois être un petit peu en retrait. Allez, bientôt là, l'enchaînement des deux côtes, la quatrième catégorie, et l'arrivée sur le mur de oui. On va aller un petit peu devant tout de même là, parce que bon, c'est pas le tout là d'être resté en arrière, certes c'est bien, mais faut pas non plus, voilà. Il n'y a pas de vent, vous voyez, 5 devant, donc c'est pas grand chose, donc c'est bon. À ce niveau-là, il n'y a aucun danger de bordure, pas comme l'étape qu'il a eu hier, hein, bien sûr, hier, pas dans le jeu, il s'est pas passé grand chose, mais en vrai, cette violence, l'étape, sans déconner, énorme étape, hein, quand même, là, rien à dire. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappée. Voilà. La Danius qui va protéger Jérémy Roy. Car Jérémy Roy commence un petit peu à souffrir. La Danius a plus 5, hein, donc c'est une très bonne nouvelle, ça, pour lui. Et pour moi aussi, hein, du coup, pour Thibaut.
Les autres, hein, voilà, c'est pas la fête, hein, c'est pas glorieux. Hein. Chavanel, Sébastien, quand même, qui protège Arnaud Démare. Et oui, il faut quand même protéger mon sprinter. Hein, il n'y a pas que Pinot dans l'équipe FDJ. Il y a aussi un sprinter, Arnaud Démare. Et oui. Ouais, d'ailleurs, il est derrière Arnaud, tranquille, avec son moins 2. Mais c'est pas grave, voilà, Arnaud, tranquille, tranquille. Alors attendez, parce que du coup, Genèse, Vaugrenard, hein, parce que du coup, Genèse, il a combien en montagne, lui? Ah, 75, ouais, non, il est trop faible. Le Donc, rythme du peloton s'est nettement accéléré. vous allez S'accélérer, rouler ça laisse moins à de chance à une 55 attaque. tranquille, les gars, finissez l'étape tranquillou. Il ne reste plus que 24 km à parcourir. Et Pinot a zéro de forme, du coup. Voilà, il sentait bien en forme, bah non. On a cru qu'il était en forme, hein. On y a cru, on s'est dit waouh, il est en forme. Bah non, en fin de compte, il ne l'est pas. Il n'est pas en mauvaise forme, c'est juste que voilà, ils sont normal quoi, tranquille, tranquille, allez. Bref, on arrête de dire des conneries. On va se positionner à l'avant là pour cette petite côte. N'oubliez pas, hein, toujours important dans ce genre de côte d'être bien placé. On ralentit un peu, et voilà, maintenant on se place bien là, hop, sur la gauche, là, gauche, sur le. Voilà, j'en fais parler. Sur la gauche de la route, excusez-moi. Là. Il faut faire un effort. Hop, 80, obligé. J'ai pas le meilleur des vallonneurs, hein. Je n'ai que 77 en vallon avec Thibaut. Ce qui est déjà pas mal, On bien observe sûr, une mais nette je n'ai que accélération 77 du quand même, quoi. peloton. Il n'y aura plus de bonne sortie. La Katusha qui mène le train, bien sûr, avec Joaquim Rodriguez, bien entendu. Allez, Nous on se sommes à concentre. Hop. 15 km de l'arrivée. Hop. J'espère que les bidons vont pouvoir venir. Ce n'est pas gagné hein, pour les bidons. Ce n'est pas du tout gagné même. Jérémy Roy, t'as fait ton taf. C'est bien. Maintenant, tu te reposes. Hop. Sauf que toi, bah, tu protèges Thibaut Pinot. Hop là. Voilà. Un coureur tente sa chance en solitaire. Parce que je vois pas grand-chose là, avec les arbres. Merci. Thibaut Pinot est dans le groupe. C'est pas La mal. sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se Hop. font lâcher. On se re. Tranquille, c'est Peter Sagan hein, qui roule là, je suppose. Il Ouais, voilà, c'est reste Peter maintenant Sagan. moins de 10 km à accomplir. Ça va être tendu tout ça. 10 km à parcourir encore. On va se passer sur la gauche là, si on peut passer, voilà. Ça se repose un petit peu là, c'est bien tant mieux, ça tempère un petit peu. Allez, nous, faut qu'on se place bien comme d'habitude là, la montée. La côte est redoutée par C'est beaucoup bien, de on est bien coureurs. placé là, c'est Les parfait. pourcentages sont particulièrement C'est rudes. bien, c'est bien, Thibaut. Allez, là, il faut faire un effort, et on est obligé, hein, là, il n'y a pas le choix. Il faut faire un effort. D'ailleurs, personne n'attaque pour l'instant, c'est bien. On met le gel. On met le gel aussi pour Les coureurs lui. approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le Voilà, panneau des 5 km à derniers kilomètres. parcourir. Thibaut Pinot est toujours dans la place. Oui, dans la place, oui, j'ai envie de dire ça, excusez-moi. Allez, il reste 3,5 km à parcourir. 39 coureurs devant. Allez, on passe là, on passe à droite. Oh, Sagan, ne fais pas chier. On passe à gauche alors. Waouh. Le dernier kilomètre, allez. Allez, on va sprinter C'est avec Thibaut. parti Mais pour Thibaut, le c'est pas sprint le meilleur des final. Qui sprinters, va hein. être le premier sur la ligne aujourd'hui? Allez, Thibaut. Superbe victoire. Il a vraiment bien géré cette Victoire de étape. Dan Martin devant Valverde, Froome, Sagan, Rodriguez, Pinot 6e, bien joué, Matthews, Hurán, Guérance et Kalaman. Pas évident. Mais c'est bon, on reste dans le groupe, tranquille, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de Contador, je ne vois pas de merde, comment s'appelle l'autre là? De Nibali, excusez-moi. Alors, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, je ne sais pas s'ils ont perdu du temps ou pas, nous verrons bien. En tout cas, victoire de Dan Martin, bien joué. Au classement général, Tom Dumoulin, toujours leader, bien entendu. Nibali est 6ème à 31 secondes, donc il n'a pas perdu de temps. Contador est toujours là aussi, donc il n'a pas perdu de temps non plus. Le maillot vert pour Gray Paul. Le maillot de meilleur grimpeur pour Dan Martin, avec deux petits points. Le meilleur jeune, bien sûr, Dumoulin. Quintana non plus, il n'était pas là. Tiens. Et l'équipe Movistar qui domine pour l'instant devant la Tinkoff Saxo. Voilà. Donc le classement. Oui, il y a un abandon. Serge Pauwels, tiens.
Le classement. Thibaut Pinot rentre dans le top 15, 13e à 51 secondes. On voit que donc tout le monde est là, hein, en fait. Ils ont tous fini tranquillement. Voilà, donc, personne n'a perdu de temps, donc il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, c'était de la troisième étape. Si ça se finit comme ça, c'est pas si mal. Hein. Thibaut Pinot qui fait 6ème étape, ça serait pas mal. Mais bon, on verra bien. Rendez-vous demain pour la 4ème étape et la fameuse étape des pavés entre Seran et Cambrai. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secteurs pavés. Attention, t'as combien Pinot en pavé? 65 pavés. Ouh, pas mal ça, 65 pavés. Alors je ne sais pas si les autres... Attendez. Hop, au retour. Yep. Donc au classement général. Froome 103, Nibali 70, bien sûr. Contador 65, bien sûr. Valverde 70, mais bien entendu. Ok, d'accord. Fenpino, c'est un des plus mauvais, quoi, en gros. Quintana 62. Ouais, ok. Bon, écoutez. Sur ce, les amis, on se laisse là. Je vous dis rendez-vous demain pour la 4ème étape du Tour de France. Et nous parlerons de ce qui s'est passé, mais non, est-ce que je ne l'aurais pas vu, donc on en parlera peut-être vite fait, selon le résultat, c'est tout. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et rendez-vous pour la 4ème étape du Tour de France. Et allez Thibaut Pinot. Yes! Allez Thibaut.